Ainsi soit-il. Alléluia. Pensez à prendre de l'eau.
La Sainte Vierge a dit au bûcheron, elle veut répandre ses dons, non seulement ses grâces, mais cette vie surnaturelle en abondance, pour que nous puissions juger de tout sous le seul regard d'éternité. Non seulement Marie nous donne ses dons, mais elle montre l'exemple. Elle est tout entière et rien qu'à son Fils. Elle n'est rien d'autre, Marie, que la Mère de Dieu. Devons être ses enfants pour être comme elle,
tout à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le danger n'est pas moins grand aujourd'hui qu'il y a 500 ans en 1519. Et le péril est le même, plus grave encore, plus profond, car nous le savons malheureusement, c'est Rome qui distille le venin de l'erreur. Ni l'islam, ni le judaïsme n'adore Dieu qui est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Marie. Et chagnosi exequitalis peccata mundi, domine non sum meus, sed in tres subdectum meum. L'Esprit de France est à vous, au cœur de Jésus, pour que par vous, avec vous et en vous, il soit une source incessante de grâce et de bénédiction.